Quelles mesures de sauvegarde le Maroc pourra-t-il mettre en place pour défendre la production nationale? C'est la thématique débattue aujourd'hui à Casablanca à l'occasion d'une conférence de la Chambre de commerce suisse au Maroc, réunion à laquelle prend part le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour. Pour plus de détails, écoutons Christophe de Figueiredo, président de la Chambre du commerce suisse au Maroc. C'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance maintenant avec l'industrialisation croissante du Maroc. Comment faire en sorte que la production nationale, donc les emplois, les impôts nationaux, soient protégés vis-à-vis d'une compétition croissante de l'extérieur, tout en gardant une compétitivité du Maroc et compétitivité et en respectant les accords internationaux. Il faudra trouver un moyen de protéger la production locale pour permettre la croissance. Parce que si on ne la protège pas, il n'y aura plus de croissance. C'est presque mécanique.